Donc vous avez au minimum la moitié des diables rouges qui ont 27 ans ou moins. Puisqu'ils peuvent, dépasser en Moi je m'appelle Sacha Eno, j'ai 15 ans et j'adore le foot, c'est ma passion. Je suis arrivé à Sainte-Marie-Namur en première maternelle et je suis ici depuis, mais depuis le début. On va parler seulement le français en famille, mais sauf si par exemple je suis dans une piscine ou dans une douche ou dans un bain sans mes appareils, ben là je vais lire sur les lèvres ou alors parfois mes parents vont peut-être utiliser un tout petit peu la langue des signes. Tout d'abord, quand ils ont découvert ma surdité, ils connaissaient pas grand chose sur la culture sourde et ils savaient pas ce qu'il fallait faire. Du coup, quand ils ont vu ce projet de collège surdité, où on peut suivre les cours totalement en langue des signes, où on peut ne rien louper, je pense que pour eux c'était la meilleure solution. Et grâce aux cours avec les profs qui signent, je rate aucune information. Si j'avais été avec que des entendants, mais j'aurais loupé énormément d'informations. Même si je peux entendre, j'aurais quand même loupé plein d'informations. Et à quel point précis ça pour tout le monde, vous savez bien. Donc quand vous étudierez les caractéristiques de la réflexion et de la vocation, vous voyez que je l'ai fait de la même manière, pour que vous ayez plus facile à retenir. Et vous souvenez, on a déjà travaillé sur la grosse page. S, c'est la surface à chauffer. Déjà, ça veut dire que dans la classe, il y a les deux profs, le prof qui signe et le prof qui parle. Et nous, les sourds, on apprend, on évolue avec les deux langues. Du coup, par exemple, il y a des cours, le cours de français, ça va être... On apprend le français écrit et la langue des signes. On évolue dans les deux langues tout le temps, en fait. Le bilinguisme est toujours là et je pense que sans, on ne pourrait pas, on pourrait avancer, mais ce serait plus compliqué. En voyage, on prend exprès des profs mais qui peuvent signer pour les sourds. En gym, il y a un interprète, pardon. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour signer. Par exemple, le cours de bilinguisme, c'est un cours où on va travailler avec le français et la langue des signes. Il y a de nombreux exercices sur les deux et ça varie en fait, on passe d'une langue à l'autre, du coup on alterne entre les deux langues. Je préfère quand même travailler du français dans la langue des signes au français. Par exemple, un texte d'une personne qui a signé, le traduire en français, je préfère ça. Parce que tout d'abord, la langue française, c'est ma première langue. Je pense que être dans un milieu bilingue, ça apporte de 1,
une ouverture à un deuxième monde, déjà. Là, je suis ouvert aux deux mondes, je peux choisir lequel. J'ai presque pas de difficulté avec les deux mondes. Et là, connaître la culture sourde, ça aide énormément. C'est même pour tout, même pour les réflexions, ces différences, on a toujours, on va dire, deux avis. On connaît les deux cultures et elles sont très différentes. La différence, c'est que avec un prof, le prof sourd, c'est que lui, il est diplômé dans ce domaine-là. Du coup, si on lui pose une question, c'est lui qui va nous répondre. Et il va nous donner des infos en plus s'il en a en tête pour nous aider, il va nous donner des trucs. L'interprète, il est juste là pour traduire, il est neutre, on lui pose une question, l'interprète va traduire au prof entendant, le prof entendant va me répondre et du coup ça va passer par l'interprète. Du coup là j'aurai la réponse stricte du prof entendant. Avec un prof sourd, le prof qui signe, c'est différent, ça peut... il peut me donner des conseils, puisque c'est un prof et c'est son rôle de faire ça. Et du coup, mettre ce projet en place, ça aide tous les sourds à avoir son choix dans ce métier de plus tard ou dans le chemin qu'il veut suivre.